Gabrielle, en classe de première ES et je suis au lycée Jean Monnet. Je m'appelle Juliette, je suis en première S au lycée Jean Monnet et j'ai 17 ans. Ludovic, je suis en première S au lycée Jean Monnet. Je m'appelle Ophélia, j'ai 18 ans et je suis en terminale L. Je m'appelle Moufid, j'ai 15 ans et demi et je suis en seconde. Je m'appelle Maëlle, je suis en seconde et j'ai 16 ans. Noé, j'ai 17 ans et je suis en terminale STMG. Je m'appelle Roumane, j'ai 16 ans et je suis en seconde. Cette section a été créée donc en 2011. Alors la section comporte 32 élèves, pour moitié les filles, pour moitié les garçons. Le lundi, il y a entraînement de 17 à 19 heures pour l'ensemble de la section au niveau de la préparation physique. Et il ne faut pas avoir le dos creux, le dos rond, et c'est bien les abdos qui travaillent, d'accord? Si vous êtes en dos creux, c'est mort. Vous avez 5, ça fait 12, ça fait 10, ça fait 6 et ça fait 4. C'est pas la peine de vouloir faire les malins en chargeant trop, vous allez vous faire mal. Leur intérêt est double, c'est-à-dire qu'à la fois ils vont vivre leur passion du handball et essayer de s'améliorer pour essayer d'atteindre plus tard le plus haut niveau possible, c'est-à-dire jouer en national, et aussi être capable de concilier l'activité physique et aussi la réussite à l'école, au niveau scolaire, réussir leur bac et ensuite faire des études supérieures, intégrer des écoles pour faire entraîneur sportif ou professeur d'éducation physique. Monte ton bassin. Allez, maximum d'écartement, on verrouille tout, on bouge plus. Allez, allez, allez. On a fait que 5 minutes là. On fait du hand deux fois par semaine. Et y a aussi une heure et demie de muscu qui est rajoutée dans la semaine. Du coup, on a 3 entraînements. Alors. Dans le sport moderne et notamment dans le handball, la préparation physique devient primordiale chez les jeunes. Donc le lundi soir est consacré à la préparation physique qui est à la fois nécessaire pour développer les qualités physiques spécifiques à l'activité handball mais aussi pour prémunir contre les blessures. Nous fonctionnons en cycle, en fait. Donc les activités sont différentes. Soit nous allons développer la qualité musculaire, soit nous allons développer la quantité, soit nous allons développer la vitesse. Et tout ceci est en rapport avec les matchs qui se déroulent tout au long de l'année scolaire avec la section sportive et des objectifs que l'on peut avoir au niveau handball avec les entraîneurs qui les encadrent. Thank you.
entraînements spécifiques handball sont encadrés par des brevets d'État des clubs partenaires de la section, c'est-à-dire le Saint-Étienne Métropole Handball pour les filles et le SAM HB pour les garçons. Donc les entraîneurs sont les entraîneurs soit des équipes de jeunes chez les garçons, soit de l'équipe première qui joue en National 1 chez les filles. Mardi soir, j'ai entraînement avec mon club. Mercredi après-midi, entraînement avec la section filles-garçons séparés. Hein. Jeudi, entraînement en club. Ou vendredi. Jeudi ou vendredi, entraînement en club. Voilà. Et donc le mercredi, il y a une séance supplémentaire de 2 heures où derrière, en fait, ça va leur permettre de progresser plus individuellement parce qu'en club, elles ont tendance à travailler peut-être plus sur des projets un peu collectifs. Nous, vraiment, l'objectif de cette séance, c'est vraiment de que la progression soit individualisée. Donc voilà, on arrive à alterner et la progression plus individuelle qu'en club. Et le plaisir pour elle d'effectuer des matchs et d'avoir un aspect un peu compétitif qui permet aussi de se développer, ça les aide à se développer. Allez, donc. Réfléchissez un peu moins. Mais Cédric, il fait un duel. Ou elle fait un duel, mais là-dessus, voilà, elle fait un duel, je veux qu'elle aille. Allez, vas-y. Juste pour rentrer. Regarde, là, je vais lui donner la solution parce que tout le monde s'est barré. Oh, donnez-moi une solution, d'accord? Et donner une solution, c'est pas forcément courir le temps, surtout quand le ballon est ici, c'est pas central. D'accord? Allez! Il faut vraiment savoir qu'avant de rentrer à la section, il faut être assez autonome, il faut savoir gérer parce que ça demande vraiment de l'implication personnelle, ça demande vraiment des efforts parce qu'il faut trouver toujours du temps pour ses cours, pour les loisirs et pour le hand. C'est aussi un moment où les élèves apprennent à vivre ensemble, à développer leur qualité de citoyen, de futur adulte et d'entraide. Ça se voit notamment au niveau de l'internat, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui sont extérieurs à Saint-Étienne, sont internes à Benoît-Fourneyron, et on voit régulièrement de l'entraide des plus anciens vers les plus jeunes, des conseils, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit ici au niveau du domaine scolaire, où ils sont capables d'aider leurs camarades qui sont plus en difficulté. On doit rentrer à une heure précise, manger à une heure précise. On ne peut pas rentrer à l'internat quand on veut, on ne peut pas sortir de l'internat quand on veut. Et ouais, je pense que c'est juste ça la différence avec les internes. Sinon, on est assez nombreux de la section à l'internat. Donc ça crée un groupe, donc on se soutient et ça va bien. Bah, on voit les parents que pendant les week-ends, donc faut pas être trop attaché, pas avoir peur d'être autonome. On dit, on est tous ensemble, quoi. C'est super bien, t'es toujours avec tes potes, tu les vois tous les jours, tu manges avec eux, t'es dans la même chambre. Franchement, je trouve que c'est le top. L'intérêt est multiple. Ça permet d'avoir une quantité d'entraînement, on va dire, plus importante que s'ils étaient seulement en club, parce qu'on a la capacité d'aménager des horaires qui ne les mettent pas en difficulté au niveau scolaire. Donc, c'est des jeunes qui ont 4 à 5 ans, ouais, 3 entraînements plus une séance de muscu sur les premières années, qui finissent à 5 séances lorsqu'ils sont en dernière année. Donc, je jouais sur Lyon, je voulais revenir un peu plus ici. Donc je suis rentré en contact avec le club de Saint-Étienne
qui m'a dit qu'il serait intéressé pour que je fasse des choses pour eux. Donc j'entraînais une équipe moins 18 championnat de France filles et j'étais responsable de la section. Ils cherchaient un encadrant. Je m'applique beaucoup dans le hand et du coup ça se retransmet aussi au travail. Après, l'esprit d'équipe, la solidarité, la combativité aussi, parce qu'on veut gagner tout le temps. À part le foot américain et le rugby, je vois pas de sport permettant plus de combativité, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est un sport où on peut pas faire la différence tout seul. C'est impossible. C'est un sport où on ne peut pas avoir une tâche définie où pendant un moment on s'appuie sur les autres. On est tout le temps et attaquant et défenseur. Et si on s'oublie sur une des phases de jeu, sur un des moments du match, ça pénalise le collectif. Donc c'est vraiment un sport où chaque joueur a de l'importance, mais il dépend aussi des autres. J'aimerais que vous posiez individuellement la question de savoir pourquoi vous êtes là. Si vous êtes à la section pour faire
vivre une jolie compète entre copains et avoir un titre à la fin sur votre CV de handballeur, bah vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Si vous êtes à la section pour progresser, devenir des bons handballeurs seniors, vous êtes au bon endroit. Et mentalement, il va falloir que vous soyez capable d'avancer quand vous êtes dans le dur pour redescendre d'un étage, reprendre du recul. Quand c'est dur, il faut redescendre et il faut essayer de faire des choses simples, mais les faire bien. Parole ? Là, on s'est affolé, on est parti dans tous les sens, on a perdu des ballons de merde et on finit à moins 5 à la fin. Partez de là en vous disant que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez bossé, mais qu'il y a encore du chemin. Bah, cette année, on a un groupe qui est très hétérogène en garçons. À savoir que l'année dernière, en fin d'année, il y a eu beaucoup de départs sur les joueurs qui allaient devenir dernière année. Voilà, pas mal de fonctionnement qui fait qu'on a un groupe très jeune. On a un ou deux anciens, entre guillemets, dernière année, avec un groupe très très jeune. Et du coup, ils ont été très vite plongés dans le bain sur ce qui était les temps de compétition ici à la section. Et ils se sont mis une pression énorme, alors que ce n'est pas du tout l'enjeu d'une section. À savoir que nous, on les accompagne pour être performants en club, mais ici, c'est un moyen pour travailler, quoi. Et ils se sont mis une pression énorme, mais ça m'a permis de voir qu'il y avait un gros travail à faire sur le mental, sur l'aspect un peu tactique. J'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé pour les faire avancer mentalement, psychologiquement, moralement, pour leur faire comprendre que voilà, l'échec n'était pas grave, mais qu'il fallait s'en servir. Et chercher l'échec, parce que chercher l'échec entre guillemets à l'entraînement, ça veut dire qu'on essaye de faire des choses qu'on ne sait pas encore faire. Et voilà, je pense que je leur ai amené des choses là-dessus. Mais c'est long, c'est un travail long et ça met du temps. Mais ils ont avancé, sur plein de points, ils ont vraiment avancé. Les filles, ce sera plus. C'est moins dans la recherche du contact. Alors que les garçons, il y a quand même plus de contact. C'est un peu plus rapide et les filles, c'est plus fin. Ce sera plus fin, il y aura plus de mise en mouvement, de moins de contact, ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait moins de contact qui change. Moi, je vous dis, d'un point de vue physique, certains, ben, ils sont au point, ok, ils font les efforts, et puis d'autres, ils le font pas. Ils sont dans le confort. Bosser dans le confort en physique, ça sert à rien. Ça sert juste à entretenir. D'accord ? Quand vous allez revenir des vacances, si vous revenez des vacances aux grandes vacances, et derrière, tout est juillet, août, vous allez dire, ah putain, j'arrive plus à sauter, ah j'arrive plus à faire tant, développer, coucher. Ben ouais, parce qu'on aura trop perdu. Il va falloir que les filles déjà aiment la compétition, aiment le combat, parce que c'est quand même un sport, ça reste un sport de combat, un sport physique, engagé physiquement. Donc c'est vrai que ça soit la jeune joueuse ou le jeune joueur qui a un peu de crainte avec le coup, avec le contact, ça va être un peu plus compliqué pour lui. C'est aussi un sport qui développe aussi des vertus mentales, justement, bah, dû à ces contacts sans cesse répétés. Et bah, il va falloir que le jeune joueur ou la jeune joueuse revienne systématiquement
physiquement, enfin après avoir pris un coup, va falloir se remobiliser un peu mentalement. Donc et après, bah, y a tout ce qui est lié un peu, tout ce qui est à des capacités un peu de course, d'endurance, et puis le shoot aussi, le shoot. Hein, donc ça va être la répétition des efforts, la répétition des efforts. Donc vraiment, vraiment la spécificité du handball, ça va être ça, ça va être l'aspect physique, l'aspect solidaire. D'accord. Et comme tout sport collectif, ça développe aussi chez les jeunes, ça développe aussi une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe. 1, 2, 3. Moi, j'adore les sports collectifs, le fait de gagner tous ensemble et de perdre tous ensemble et d'avoir tous la responsabilité dans ce qu'on fait et dans ce qu'on entreprend quand on joue. Je trouve ça assez incroyable, en fait. Et le fait de se dire que dans une équipe, justement, bah, on est tous soudés et que c'est ce qui fait qu'on peut réussir à gagner des matchs. Et en fait, ça m'a plu, les règles comme elles sont faites, c'est-à-dire qu'on a vraiment une attaque et une défense, mais il n'y a pas que des joueurs en défense et pas que des joueurs en attaque, c'est-à-dire que tout le monde fait tout. Et ça, je trouve ça intéressant de pouvoir participer à tout dans le jeu et voilà. C'est beaucoup plus de force, de vitesse que les filles, mais en gros c'est exactement le même jeu parce qu'on joue au hand. Faut être honnête, hein, le jeu masculin, il y a beaucoup plus de force, on va dire, au niveau les mecs, ils sont beaucoup plus musclés et leurs tirs sont beaucoup plus forts, ils partent avec plus de puissance. Après, je pense que c'est aussi plus violent. Enfin, je veux dire, nous, on le voit bien quand on fait des entraînements contre les garçons. Ils n'hésitent pas à nous attraper et pas de pitié, quoi. Et nous, on est peut-être plus... entre nous, filles, on a l'impression d'être violente, mais si on joue face à des garçons, ils auront l'impression qu'on est ridicule, en fait. Faut vraiment avoir l'esprit d'équipe parce que si on l'a pas, faut mieux pas faire un sport collectif et surtout le handball parce que le handball c'est vraiment une cohésion d'équipe. Une équipe c'est en quelque sorte comme une famille, vraiment faut être soudé dans ces moments-là. S'il y en a une qui fait une erreur, elle fait une erreur, c'est fait, voilà, il faut passer à autre chose. Si jamais on prend un but, savoir passer outre et être performant sur les prochains. L'objectif qui était d'amener des élèves à venir dans les clubs partenaires pour progresser, jouer en national, était atteint. Nous avons réussi à sortir, entre guillemets, quelques joueurs qui jouent maintenant même en équipe première dans les clubs partenaires. D'autres jouent en pré-national. Donc c'est plutôt un bilan positif. Au niveau des résultats scolaires, nous avons aussi, depuis 2 ans, 100% de réussite au niveau du baccalauréat, ce qui est en progrès puisque nous avions 85% les 3 premières années.